À l'AIS, il y a un salon avec des exposants. Et du coup, ils vont, les participants, ceux qui ne sont pas équipés, ils peuvent aller récupérer du matériel, les crampons, les piolets, des vestes, enfin, un peu différents matériels pour la glace. Et donc, en fait, au pied, ils vont d'abord pouvoir tester ce matériel. Ils apprennent à l'utiliser, à le mettre. Et puis ensuite, eh ben, on leur donne des conseils. Donc, comment planter le piolet, comment on pose les crampons sur la glace. Comment on se déplace sur la glace, à droite, à gauche, on monte, on descend, tout ça, voilà. C'est les techniques de base pour s'initier. C'est impressionnant à voir, hein. ça donne envie de se jeter dedans et d'essayer, hein. Mais un petit peu de pression quand même. La cascade de glace, c'est pas seulement réservé à des gens qui font déjà de l'escalade, ça peut... Tout le monde peut s'essayer à la cascade de glace, on peut être débutant et ne jamais avoir eu un rapport avec l'espace verti et avec la verticalité, et pourtant on peut quand même débuter, se faire plaisir, avoir des sensations. Ah ben c'est génial, c'est hyper agréable de se balader dans la glace comme ça avec tous les bruits. Et puis c'est magnifique la glace avec tous les reliefs, les couleurs. Ah, c'est vraiment une belle expérience.